Salut à tous, on se retrouve pour la suite des chevaliers de bouclier de Petercourt par le métro qui passe. Alors souvenez-vous, la dernière fois on avait réussi à trouver une pièce pour mettre dans la balance, à trouver une carte pour pouvoir enfin ouvrir ce boîtier. Maintenant je vais m'empresser de le mettre au rouge pour que le prochain métro puisse s'arrêter. Le métro va me permettre de sortir de là. Je me fiche de risquer une amende en allant au dock sans ticket. Quelle aventure. Oh ben, on revient chez l'ami Georges. Jouge. Oh. C'est dur l'escalade. Allez. Par où c'est qu'on va? Y'a rien. Ah, par là. J'aurais pas allé par là aussi. Plusieurs choix, quoi. Des bruits bizarres. Rien. Je dis bien rien ne me forcera à poser un orteil dans ce marais. Ce marais croupit tranquillement. Allez, alors on va par là, puisque tu veux pas aller par là. Où es-tu parti, Georges? D'accord. Il y a quelque chose dans le trou sous cette pierre. Au moment où je m'apprête à faire mon enquête, la chose disparaît dans les ténèbres. Impressionnant. Bon, je sais pas où il va aller. Par là. Bon sang, mais... Du calme, George. Ce n'est qu'un singe. Là, mais quoi? Y a que ça à faire de toute façon. La créature disparaît à nouveau, mais j'ai le temps de voir quelque chose de petit et de poilu. C'est le terrier d'une bestiole qui a beaucoup plus de dents que de cervelle. Alors évite de mettre les doigts. Bon, bah, je vois rien, aucun indice. Par aller par là. Par là ou par là. Hop. On va aller doucement pour pas rater un indice. Si on est revenu ici, ça sert à quoi de faire le tour. Bon sang, mais... Du calme, George. Ce n'est qu'un singe.
déjà dit, George. C'était un tour, alors que s'il aurait pu monter l'escalier là, ça aurait été beaucoup plus simple. Je peux pas aller par là. Bon sang, mais... Tu calmes, George. Ce n'est qu'un singe. C'est la troisième fois. On va le savoir, hein. Il dit si c'est le même, il aurait pu passer sur les herbes là. Mais... Ah, il y a des moustiques dans la jungle. Tout ça pour arriver là. Quelqu'un a gravé ses initiales dans la pierre. Il y a trois trous peu profonds dans ce rocher. On se demande bien pourquoi faire. Allez hop. Ça y a pas chargé 3 heures. Un trépied. Voilà. Tu mettais bien sûr les deux lettres. FK. Sacré Frederick Cage, tu ne savais pas voyager incognito. Allez, jette un coup d'œil là-dedans. Cette colline me fait de plus en plus penser à une bosse de chameau. Bon, voyons voir ce qu'on peut voir. Pas grand-chose. À droite, on peut pas aller à gauche. Aurais-je raté quelque chose? Ça, c'est pour sortir. Y a rien, regardez, hein. Un petit indice. Astuce 1. Cherchez bien les issues cachées et ramassez tout ce que vous trouverez. C'est le roseau. Faut déjà le trouver le roseau, ce qu'il est. Attends, je n'ai rien trouvé avant qu'il se ramassait. Ah.
Mais je suis dans la forêt de l'éternel recommencement ou quoi? Bah, tu l'as dit. T'avais qu'à trouver le roseau avant. Hein. Bon, la bestiole est là. Faut qu'il faut regarder après un roseau. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. C'est tout ce qu'il avait dit, je ne sais plus. Un roseau. Comme vous pouvez le voir, c'est terminé à 73%, donc il y a encore pas mal de temps à faire. On n'est pas encore fini. Voilà, maintenant qu'on sait qu'on doit faire ça, est-ce qu'il est passé ce roseau? Hop, on le fait direct, on perd pas de temps. Attention les mains. Le bout du roseau a été cisaillé net par un coup de mâchoire. Maintenant, je sais quelle bête vit ici. C'est un gros monstre poilu, grogneur et sauvage, avec de grandes dents. Il n'a rien à voir avec un zombie. Alors, c'est par là. Ensuite, c'est par là. Ce moustique. Venons par là. Bon sang, mais... Ce n'est qu'un singe. Du calme, George. Ce n'est qu'un singe. Et où tu vas? Il n'en fait qu'à sa tête aujourd'hui. C'est bien, mais je suis pas plus avancé. C'est même pas bougé ce truc-là, donc.
tu veux, hein, Georges? George Stuart. Mais il veut pas. Il veut pas descendre. À 10. Retournez en haut de la falaise, là où vous êtes arrivé sur l'île, et prenez la sortie en bas à droite. Vous atteindrez un endroit habité par un sanglier sauvage. La sortie en bas à droite, ouais. Je veux bien, moi, mais il veut pas. J'avoue que je sèche là. C'est la falaise, on y est quand même. En bas à droite. Peut-être des objets, mais quoi? J'ai rien trouvé nulle part. Pas facile. On tourne un peu en rond, mais on va y arriver. Pas de raison. On n'a pas le choix de ça. Il n'y a rien à ramasser. Pas question que j'entre là-dedans. Thank you.
Un seul roseau me suffit. Ici, alors je vais aller maintenant à droite, hein, voilà. C'est ça, de faire les scies et pas au-dessus. On va y arriver, je l'avais dit, on va trouver. Faut être patient, c'est tout. Où es-tu, George? Je ne te vois pas. Ah. S'il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien à ramasser, alors on avance. Pardon. En sautant, je pourrais peut-être attraper cette branche. Ça ne servirait à rien de grimper sur cet arbre. Ils ont pas mis un truc quand même là pour rien. Bon. Bon, allez, on continue, on va à droite. On va voir ce qui se passe. Oh oh. Ce passage est bloqué par un affreux sanglier à l'air très féroce. Bon, il a pas l'air grand. L'expression du sanglier semble vouloir dire « Pas question, Stobart !» Ok, donc il y a un truc à faire avec la branche, je suis sûr. Ça ne servirait à rien de grimper sur cet arbre. Où tu vas? J'ai juste demandé le coffre, hein, enfin, le sac. Ah. Plus maintenant. Oh là là, il faut toujours qu'il bouge qu'il ne faut pas. Allez, on va essayer pour voir. Mais... Allez, Coco, te laisse pas faire. Filet plus de sanglier. Ça a l'air de fonctionner. Olé, Toro. Je ne vais pas me battre contre ce porc velu avec un bambou creux. Bah non, justement. Allez. Bon, on n'a pas le choix, un petit indice. Indice, pardon. Où est-ce qu'il va maintenant? Un sanglier ne m'empêche de passer, que puis-je faire? Très bonne question. Peut-être pourriez-vous lui faire peur. Ah ouais, mais quoi? Ouais, j'ai un roseau et... J'ai un roseau et quoi d'autre? Peut-être ça et ça. Non, je dois trouver autre chose. Reviens ici d'abord. On se demande lequel des deux a plus peur de l'autre. Je ne pense pas. Je pense pas. Ça et ça? Ah. Ça, il a l'air d'accord. La fléchette rentre juste dans le roseau. Super! Je suis armé et dangereux. Bah, utilise-le alors.
Hop. Cours, Forest, cours. Pardon. Allez, go. Faire dodo le sanglier. S'il est encore... S'il est encore utile. Allez, on y va. Ah, c'est marrant. On va à droite, on revient de gauche. Végétation. Les plantes s'arrachent facilement de la pierre si je tire dessus. Les plantes grimpantes ne sont pas assez solides pour supporter mon poids. Les plantes sont désagréables au toucher. Ben, ne touche pas alors. Allez, ton filet. Impossible. Il faudrait que je sois mordu par une araignée radioactive pour pouvoir grimper là-haut. Ou que tu le sanglier aux fesses. Allez, le filet alors. Hein. Inutile d'attacher le filet aux plantes sur le rocher. Non. Je ferais mieux de réfléchir. Bah ouais, bah. Il n'y a plus rien d'autre, mon gars. La cible ne restera pas en place si je me contente de la poser sur cette végétation. D'accord. Les plantes sont désagréables au toucher. Mais qui te dit de monter? Personne, Georges. Bon. La cible ne restera pas en place si je me contente de la poser sur cette végétation. La cible se fixe solidement sur le filet. Maintenant, on peut le mettre. Inutile d'accrocher le filet et la cible à cette végétation qui pousse à la base du rocher. Génial! Voilà un bel ensemble. Plantes grimpantes, filet de pêcheur, cible de géomètre. Parfois, mon génie créatif me fait peur. Ouais. Maintenant, tu mets là. Voilà, d'accord. J'ai réussi à placer la cible au bon endroit, près du sommet de l'aiguille. C'est avec des idées aussi brillantes qu'on finit dans un asile. Ça, je te le fais pas dire. Il y a l'embarras du chemin ici. D'accord. Tous les chemins mènent à Rome. Allez, Georges, dépêche-toi.
Il pourrait courir un peu de temps en temps, mais non. Voilà, revenu ici, et c'est ici qu'on va se quitter. Épisode un peu plus long, mais j'ai dû chercher un pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, je prends toujours autant de plaisir à jouer, même si je galère parfois. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici, et je vous retrouve à la prochaine pour la suite. Allez, bye bye.